Et voilà, on est arrivé à la cascade. Regardez-moi ça. Salut à tous. Coucou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour nous, c'est le jour du départ. Oui. On est en train de ranger tout ça, etc. Voilà. Les filles, moi c'est juste de se lever, c'est la dernière qui s'est levée. Ils sont déjà devant la maison là, en train de discuter avec les amis, les voisins. Et voilà, hein. Aujourd'hui on va manger chez un ami qui habite pas très loin. Donc voilà, sa fille en plus elle nous regarde tout ça. Donc voilà, ben ça va faire plaisir, on va passer une bonne journée encore. Et voilà, et ensuite ce soir on va partir direction là où j'habitais quand j'étais petit. On va dormir à l'hôtel. On va dormir à l'hôtel, voilà. Voilà, voilà. Bon, on est arrivé là où on doit manger. Chez un ami qui a une chaîne YouTube qui fait des vidéos Pokémon comme nous avec ma semence. On a une chaîne pour ceux qui savent pas. Et regardez, voici Lison. Lison qui fait des vidéos avec son papa aussi. Et elle a déguisé Cam Cam. Regardez ça. Elle a déguisé Cam Cam. Elle est trop rigolote. Elle est morte de rire, Lison. Et elle est où ma semence? Ah, elle est en haut. Fais attention, hein, les chaussures dans les escaliers. Regardez-moi ça. Voilà, Lison aussi, elle a mis un déguisement avec le fouet du père Fouettard. Et Masmas, t'as pas mis de déguisement? Non. Moi, non. Bah, allez, mes amis. Regardez le beau gâteau que la maman de Lison a fait pour... pour tout le monde, mais spécialement pour, moi aussi, je pour Charles et moi, vu que on est ici grâce à Pokémon, ouais, grâce aux vidéos Pokémon. Donc voilà, c'est joli. Tu touches pas, regarde. Bulbizarre, Pikachu, il y a Milo. Non, c'est Rondoudou. Rondoudou, Salamèche, Carapuce. Ouais, avec la Pokéball dessus. Donc voilà, c'est très joli. T'aimes bien Masmas? Ouais. Hein? Ouais. Trop bien. Et toi Lison, c'est joli. Voilà, on se prépare pour partir voir une cascade. On a dormi. Hier on n'a pas beaucoup filmé. Les filles elles ont passé la soirée dans la piscine et tout ça. J'aurais pu filmer un petit peu mais voilà, elles ont profité, etc. Là on va aller voir une cascade et après on va aller manger au bord de la mer. Ils veulent nous montrer un très très beau coin, Couliour, à côté d'Argelès. Et voilà, on est en train de marcher pour aller en direction de la cascade et c'est très très joli. Il y a un petit ruisseau, petite rivière, on est passé à un endroit où il y avait plein de cerisiers en pleine nature et là on va arriver à la cascade. Voilà, on se rapproche mais il y a comme une mini cascade là, une petite descente et c'est plutôt joli. Ah, il y a même du monde qui redescend de la cascade. Très joli. Très très joli, ouais. C'est très 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 joli. Regardez là-bas aussi. Amélie. Très très joli, hein. Ouais, magnifique. Ouais. Franchement. La cascade, elle est au fond là-bas, les amis. Tombé du ciel. Et voilà, on est arrivé à la cascade. Ah ouais, il y a l'eau derrière et tout. Ah, c'est magnifique. À 10 minutes de chez mon ami, là où on a dormi. Enfin ouais, 10 minutes, non, 20 minutes. 20 minutes à pied, un truc comme ça. Un kilomètre à peu près dans la montagne. C'est magnifique. Et là, il y en a qui se baignent, non? Ouais, ouais. L'eau, elle est claire en plus. Ouais.
des petits poissons. Ouais, des petits poissons. Cool. Alors, Masmas, t'aimes bien? Oui. Ouais, c'est joli. Regardez les amis dans l'eau, il y a une énorme grenouille. Elle est dans l'eau. Regardez en haut, il y a des gens qui font du canyoning. Il y en a une deuxième qui grimpe là-bas, ouais. Là-bas. Et là où on voit des casques blancs, il y a des gens qui descendent un rappel de la cascade. Ils font du canyoning un partout. Il suffit que tu glisses au départ. C'est ça. Allez. Ah, c'est top. Oh, ils font des activités. Ouais, ils font des activités, ça s'appelle du canyoning, Mas Mas. Top, ça doit être vite. Allez, justement, où allez, où Paulette? Ah, ok, on est dans l'eau. En fait, ils descendent dans ce sens-là. Moi, je pensais qu'ils descendraient de dos, ouais. Mais parce que quand tu prends la pluie, ça doit glisser, donc ouais, ça doit être dangereux. Ouais. Il n'y a que ceux qui ont un bon niveau qui me laissent. Là, ça fait un peu tout besoin, du coup. Il y a des endroits, ça fait vraiment. Ouais, bizarre. Là où ça fait cuvette. Ouais, on est dans le village, on vient de s'arrêter, de se garer, on va manger en ville. Et franchement, le village, il est super joli. Là, on va vers la plage. C'est. Chez ce monsieur-là que nous avons passé la nuit. Ouais, très gentil. Charles, avec avec sa femme. Avec sa femme, ouais. Très, très, très gentil. Que nous avons rencontré grâce à YouTube, à notre chaîne Pokémon. Et une très, très belle rencontre. Ouais, franchement. Comme quand elle est dans la poussette, parce qu'elle est fatiguée, ça monte, ça descend. Et voilà. En tout cas, c'est très très beau, on va vous filmer, vous allez voir la suite, c'est magnifique. Là, on est en bas de la rue que je viens de vous montrer précédemment et c'est super joli. Là, il y a des beaux magasins de sacs, le rêve de maman. Et c'est super joli, on peut manger le bord. Ça fait comme s'il y avait un petit port en fait. Bien derrière, et ça fait comme un genre de château. Et là, c'est le début du port, l'entrée du port. Regardez, ça, c'est un château. Château royal, il y a marqué des Pyrénées. On est sur un petit pont. Et regardez ça, c'est magnifique. Regardez ça, ça. Charles, mon ami, il vient de me dire que ça, c'était le seul clocher en France qui a les pieds dans l'eau. Ça, c'est les barques catalanes. Les barques catalanes, ouais. Ah ouais, c'est joli aussi. C'est bateau typique. Et si vous regardez bien, il est où? Je l'ai vu, je ne le vois plus. Là où, regardez aussi, il y a un château. Et le moulin, il est où? Ah, je suis pas sûr que tu le vois. Je le vois plus. Il doit être derrière. Ah, si. Il est ah, là oui, où il les est là, amis. Oui, oui. Je vais zoomer un petit peu, il y a un moulin là aussi. Regardez, pile au milieu là, il y a un vieux moulin. Ah, c'est super beau. C'est magnifique le. Moi je vais acheter un masque les amis parce que j'ai oublié le masque et ici le taux d'incidence a dépassé les 200 donc masque obligatoire dans les Pyrénées orientales. Voilà voilà, je suis sur une petite place, c'est vraiment super joli. Bon, on va manger là. On va manger là, j'ai on vient de finir de manger et là je vais aller chercher les filles. Elles sont juste là, Lison et Mas Mas. Camilla, je crois pas qu'elles soient là.
descend. C'est bien Emily Rose. Elle discute avec les abonnés. L'eau elle est claire en plus. L'église, les amis, elle est magnifique. C'est l'église que vous avez vue tout à l'heure qu'on filme, qui est en bord de mer, hein, parce qu'il y a la mer qui est juste là. La seule église en France qui a les pieds dans l'eau. Et il y a la mer aussi. Tout à l'heure, la mer. Voilà, cette église-là. C'est magnifique. Là-bas les amis, tout au fond là-bas c'est Argelès-sur-Mer. Et voilà, ici c'est Couillon. L'église dans laquelle on était, c'est celle-ci. Regardez ça, l'eau comme elle est claire. On va aller jusqu'au petit phare là-bas. Attention, on tombe pas. Devant des globes. Regardez, il y a quelqu'un qui a perdu sa bouée là-bas. Il y en a un, il a perdu sa bouée là-bas. Là-bas à gauche. Il y a quelqu'un qui va la récupérer sur la plage. Regardez, l'eau elle est super claire. Apparemment, Shakira aurait une maison ici. Ou, je sais pas exactement, mais elle aurait une maison dans ce village. Voilà. Ouais, je comprends, hein, franchement, c'est super beau. Hein. Regardez là-bas, l'eau elle est super claire. Partout, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Ah ouais. Asma, maman, elle est là-bas. Si vous la voyez. Derrière le poteau vert. Elle est très très loin. Elle est restée là-bas, elle avait pas envie de venir jusqu'ici. L'eau elle est super claire, hein. C'est incroyable. Hein. Allez bien comme il y a. Et voilà, on arrive au phare. On dirait un petit peu un phare en forme de couronne. Bon, on est redescendu par les escaliers ici du phare. Les filles elles veulent toucher l'eau. Après il faut dire que c'est vraiment. C'est vraiment magnifique, c'est normal qu'ils aient envie de toucher l'eau un petit peu. Surtout Mas. Elle est bonne l'eau Mas? Oui. Oui. Ah ouais, elle est super claire, c'est incroyable. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des requins. Mais non, il n'y a pas de requins, t'inquiète pas. Bon, on vient d'arriver sur le parking et on va monter. Là-haut, pour voir une belle vue, une dernière belle vue avant de partir. On voit dans le trou la mer, regardez ça. Tu cours pas, Cam-Cam, viens ici. Regardez-moi ça, comme c'est beau.
Et voilà, regardez la vue un petit peu. C'est magnifique. Tout à l'heure, on était là-bas, où c'est qu'il y a le phare. Et derrière, il y a l'église. C'est magnifique. Et là-bas, tout au fond, c'est Argelès. Tout au fond, là-bas, là. Derrière tout ça, là-bas. Et derrière, là-bas, tout au fond, c'est l'Espagne. Bon, les amis, on vient de faire... attention, on vient de faire 2 heures de route. 2h30, même. On a loué un Airbnb, là. On va manger ce soir chez un ami à moi. Et voilà, hein. C'est le Binx dans non, le... Moi, je vais c'est, monter dans le coffre. Incroyable. Tu veux monter dans le coffre? Non, oui. Non. Ma chérie. Donc voilà, on va vous montrer le Airbnb. Et ce soir, on va manger chez un ami, etc. Donc franchement, on aura passé vraiment une sacrée journée. Bon, les filles, elles se sont changées rapidement. On est dans le Airbnb. On fait un room tour rapide. Franchement, c'est sympathique. Voilà, bon, on passe juste cette nuit. Coucou. Maman, je vous montre rapidement la cuisine. Et on a payé que 48 euros la nuit à Mazamé. Je sais pas si vous connaissez, c'est une ville dans le Tarn. Voilà la chambre principale. Les filles dormiront sur le canapé lit. Et là, c'est la salle de bain, si je dis pas de bêtises. Oh non, c'est la sortie. Oui. Et là, il y a la salle de bain. La salle de bain, oui, c'est pas éclairé. Hop. La salle de bain et les WC. Voilà, simple et efficace. On est un petit peu pressé, c'est pour ça que je vous fais un room tour super rapide, toute apparente là, et voilà. Franchement, pour 48 euros la nuit, ça vaut le coup, comparé à un hôtel, une chambre d'hôtel. Voilà.